Alléluia. Combien de monde qui connaît que bon Dieu ou ouais, son bon Dieu, nouveau commencement. Amen. 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 Bon Dieu là, son bon Dieu, bagaille neuf. Son bon Dieu, nouveau commencement. Son bon Dieu, bagaille nouveau. Son bon Dieu, bagaille neuf, mes bien-aimés. Dans le jour passé, nous avons eu l'occasion pour nous parler, pour nous méditer par le bon Dieu. Côté, nous avons remarqué qu'à un moment ou à un autre, mes bien-aimés, eh bien, presque tout le monde souhaitait un nouveau départ. Presque tout le monde souhaitait un nouveau commencement. Et pour être capable de faire la vie en l'autre sens. Et notez tout que la Bible, mes bien-aimés, est claire sur deux bagailles. Ça n'a pas menti la donne. Notez que la Bible est claire sur deux bagailles. Tout d'abord, nous besoin, moi-même avec nous tout qui là, nous besoin d'un nouveau départ. Ça n'a pas menti la donne. L'autre bagaille, c'est que c'est bon Dieu qui offre nouveau départ ça à chaque monde. Pas qu'il y a aucun autre monde qui offre mon nouveau départ ça. Comme ça, nous voyons que nous face à deux alternatives, mes bien-aimés. Les clairs, les paraît devant nous là, deux alternatives. Première, c'est accepter l'offre que bon Dieu fait nous, la paix bon Dieu avec nous, qui pourra le mener dans le chemin victoire, qui pral fait de ou yon vainqueur et par conséquent ou pral vin yon héritier de tout bon bagay qui gagne kay papa. C'est bien qui offrit à nous-mêmes. Seule l'autre alternative, mes bien-aimés, que nous estimons qui est terriblement mauvaise, c'est continuer dans l'esclavage péché. C'est pas accepter offre là, c'est accepter continuer vivre dans l'esclavage péché là, et comme ça, qui salvera le baou, qui salvera le gain comme conséquence, ou pral affronter le rejet final et éternel de Dieu. Donc, qui te me rappelle aujourd'hui, il y a deux bagailles qui est extrêmement important, mes bien-aimés, que nous pas capables de risquer nous. Pour ne pas saisir, pour ne pas maîtriser, pour ne pas bien entrer dans la tête, non. Premier choix, mes bien-aimés, c'est lui qui est bon. C'est que, matin, frère Maxime, je vous recommande d'accepter, ou même qu'il a avec nous, ou pourquoi accepter off ça. Matin, je viens dire que c'est bon Dieu qui capable de reset compteur. C'est bon Dieu qui est capable de faire un autre départ. C'est bon Dieu qui est capable de faire un nouveau départ. C'est bon Dieu qui est capable de refaire des choses dans la vie. C'est bon Dieu qui a viré des choses. C'est bon Dieu qui a changé. Exactement, matin, hein? Ou même qui peut accepter off ça. Moi, je vous recommande pour accepter off ça. Off nouveau départ ça. Que bon Dieu offre nous. Pour capable venir yon vainqueur, pour capable marcher dans la victoire, pour capable venir yon héritier, et pas n'importe quel héritier, héritier de toute bagaille qui gagne kay papa. Deuxième nom, c'est mauvais, c'est ça qui pas bon. C'est lui qui pas bon. C'est lui qui vient inviter au baïdo. Et me mettre en garde contre lui-même. M'pas besoin qu'on ait qui attirance côté capable de joindre la donne. M'pas besoin qu'on ait qui ça qui était capable de charmer la donne. Mais je dis à moi, viens dire, il n'est pas bon. Mettre en garde, pas accepter. Pas accepter pour vivre dans l'esclavage péché. Accepter of bon Dieu. Donc, l'on pas accepter of bon Dieu, c'est choisir pour vivre dans l'esclavage. Lorsqu'on choisit pour ignorer of bon Dieu fait là, cap menon dans la vie éternelle, lorsqu'on choisit pour rejeter of ça, eh bien, ou accepter vivre dans l'esclavage péché. Ou accepter rejet final là, ou accepter rejet éternel, mon Dieu. C'est quoi accepter? Donc, je dis après Maxime, je viens dire que bon Dieu, c'est bon Dieu,
nouveau départ. Bon Dieu, c'est bon Dieu commencement. Et c'est ça que fait, liban nous clé. Liban nous clé nouveau départ là. Parce que clé nouveau départ là, il est Jésus-Christ. Le Seigneur Baoul. Lorsqu'on accepte Jésus-Christ, c'est clé ça qu'on accepte et recevoir. Ou pas qu'on ait l'heure au monde entre nos villes, l'autorité entre nos villes, eh bien, qui sa autorité fait, eh bien, yo remet autorité à clé ville là. Parce que yo bal possession de ville là. Son autorité que lié, eh bien, yo remet li contrôle ville là, yo remet li possession, yo bal clé ville là. Et c'est ça, mes bien-aimés, lorsqu'on rencontre à Christ, les bon clé nouveau départ là. Parce que l'on rencontre à Christ son nouveau départ qui fait dans la vie. L'on rencontre à Christ ressuscité, et bien, il produit la caillou, une nouvelle création. La paix, bon Dieu, avec vous. Amen. Il produit la caillou, une nouvelle création. Ça tellement clair, mes bien-aimés, et ça tellement une belle bagaille pour nous, lorsque vous venez, lorsque vous rencontrez avec Christ ressuscité, les produits, ça me dit, une bagaille tout neuf. Et c'est ça que fait l'apôtre Paul. Qu'elle dit clairement, mes bien-aimés, dans 2 Corinthiens chapitre 5, les versets 14 à 17, ou pral apôtre Paul pral dit très très clair. Côté le pral dit, ou il pral écrit parole ça, car l'amour de Christ nous presse. Parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, donc tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous. Afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes. Mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne la connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Merci, Seigneur. Et c'est ça que fait mes bien-aimés. Lorsque nous, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et ça que fait nous, bon Dieu, son bon Dieu, bagaille neuf. Bon Dieu, son bon Dieu, choses nouvelles. Toute bagaille vient neuf pour le rencontrer. À mon niveau et dans la chair, à clé nouveau départ là. Tout bagaille vient neuf. Et ça fait le tap par la peuple, elle a dit, yo, comme ça, pas chita a changé tant longtemps. Pas arrêté à calculer ça qui fin passé. Alléluia. Pas chita a calculé ça qui fin passé. Passé, c'est passé. Mais m'a fait une autre bagaille pour nous. Tout neuf. M'a fait une autre bagaille pour nous. Li commencé à arriver déjà. Nous pas wéli. C'est ça la fait. La font l'autre bagaille pour nous. Le bon Christ son l'autre bagaille la fait pour vous. Et son nouveau départ que l'offrir son l'autre possibilité. Son nouveau départ. Son page tout neuf que l'y virer. L'y tourner pour son l'autre livre. Que le Seigneur ouvre. Son l'autre chapitre que l'y ouvre dans la vie. Donc mes bien-aimés. Bon Dieu son bon Dieu. Bagay neuf liye. Je dis à le Seigneur vin di ou, li vle fè tout bagay neuf pou ou. Li vle fè tout bagay neuf pou ou. Et vle vin di ou, je dis à pas songe. Pas songe sa ki passe yo. Pas songe sa loutan. Moun ou te ye ya, pas focus sou li, ou pas moun sa ankon. Lo rencontre à Christ son nouveau départ. Lo rencontre à Christ son nouveau commencement. Le rencontrer a créé son nouvelle perspective, son nouvelle orientation, son nouvelle destination, son nouvelle page qui tourne dans la vie. Et ça fait, apôtre Pierre Valdou, dans 2 Pierre chapitre 3, le verset 13, mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Lorsqu'on recevra clé ça, mes bien-aimés,
Mais qui ça qu'on va prendre? En plus que ou même ou son nouvelle création, en plus que ou même ou son nouvelle créature, mais ou bon espoir que ou pral tomber, ou pral arriver dans une nouvelle, dans un nouveau ciel, ou pral arriver dans une nouvelle terre, côté justice pral habiter, côté pas de gain de l'eau dans les yeux, pas de souffrance, pas de stroke, pas de intention, pas de sucre, pas de maladie, mes bien-aimés. Lorsqu'on écoute à Christ, c'est ça qu'attend nous. Parce que bon Dieu, bon, il y a un nouveau commencement. Et c'est nouveau commencement ça qui bon espoir ça. C'est nouveau commencement ça qui fait que ou capable d'espérer nouvelle terre, ou capable d'espérer nouveaux cieux. Les bien-aimés, pas songer à Ewe côté fait dans le passé. Ewe, c'est menoté, yo menoté. Le focus dans mon outil est. Ou ap rappeler ça qui t'est passé hier, ou ap rappeler événement qui t'est passé hier, ou bloquer dans événement hier, ou bloquer dans expérience que t'es fait hier, quelle que soit nature expérience là, quel que soit ça qui t'est arrivé là-dedans, erreur, échec, quel que soit ça t'est hier, ça que ça t'est porté pour, de pour focus là-dedans c'est mieux d'autre là mettre pour, mais pas oublier, Jésus vient d'aujourd'hui à, il finit pour le retirer pour fermer. Il est venu pour un nouveau départ. Il est venu pour retirer dans le cachot que vous mettez tête ou là. Faites-moi faire mes corps dans le passé. Il est venu pour un nouveau commencement. C'est le bon Dieu, nouveau commencement. Et Jésus explique ça, mes bien-aimés. Clairement, lorsque il écrit les le voleur, dans Jean 10:10, ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Frère Maxime, yo bien-aimé dans le Seigneur. Bon Dieu voulait un nouveau commencement pour vous. Bon Dieu voulait un nouveau départ pour vous. Et les bon clair. Jésus, Jésus-Christ, les levés bien vivants sont dans la mitamoyo. Les ressuscités pour capable prendre possession de clé ça. Oui, pour capable jouir de changement ça. Pour capable jouir de commencement ça, nouveau commencement ça. Donc je dis, le Seigneur n'est pas intéressé à passer. Et ça fait le dit peuple Israël là, il dit ça, je dis, pas chita changer tant longtemps. Pas arrêter à calculer ça qui finit passer. Qui ça qui est important pour lui, c'est ton futur. C'est le futur. Nouveau commencement. Nouveau départ. Que le Seigneur vienne porter pour aujourd'hui. Saisis-le, mes bien-aimés. Saisis-le. Parce que les bien dit dans 2 Corinthiens 5, 17 là, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, une nouvelle créature. Donc l'ancien est passé, pas focus sur lui. La nouvelle est arrivée. Jodi a l'arrivé pour vous. Et c'est ça que fait le Seigneur dit. Il commence à arriver déjà. Nous pas ouéli, la nouvelle est arrivée. C'est là, parole là, mes bien-aimés. Et c'est ça que le Seigneur porte pour aujourd'hui. Hein. La nouvelle création. La nouvelle créature qui vient une bonne possibilité de un commencement tout neuf. Parce que l'ancienne est partie et que la nouvelle est arrivée. Saisis nouvelle là. Saisis nouveau départ là pour assurer le futur. Je dis vraiment que c'est mieux. Priez le Seigneur et dis le Seigneur merci. Parce qu'il fait de vous une nouvelle créature. Vieil homme n'a passé. Il mourit avec Jésus sous bois calvaire. Et que je dis à vous ressusciter avec lui, ou complètement tout neuf, ou c'est un monde tout neuf. Et je dis à demander le Seigneur pour l'aider, pour réaliser de plus en plus que vous ne pouvez pas vivre pour vous. Vous ne pouvez pas vivre pour lui, pour vous, mais vous pouvez vivre pour lui et pour gloire au nom de Jésus. Que mon Dieu bénisse, que mon Dieu garde, que mon Dieu protège et que mon Dieu passe avec vous. Amen. 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 Gloire à Dieu. Merci Seigneur.